corps a besoin. Donc, si le cerveau a arrêté sans que l'hypogène sang pour 5 minutes, eh bien, et cerveau a vingé, ou pas gagné l'ischimia. L'ischimia veut dire que le cerveau a dead. Ça veut dire que le cerveau n'a pas mourir. Donc, si quelqu'un a l'autre, ou une réduction, ou bien une cessation de sang qui passe dans le cerveau, et eh bien, il y a ce facteur que vous êtes capable de développer stroke. Et bien, il y a deux types de stroke qu'on est capable de faire. Ou capable de faire hémorragique stroke, ou bien capable de faire ischémique stroke. Et bien, hémorragique stroke, là, c'est les deux ou bien hémorragie cérébrale. Ça veut dire que la tête a saigné. Et bien, qui est capable de faire ça? Ça capable de faire ça, il faut, par contre, il faut de parler de aneurysme. Aneurysme, non, ou font cérébral aneurysme. Ça veut dire. Ça veut dire que, dans l'artère qui passe dans la tête, parfois, l'artère, ça y est, l'artère, c'est le même tube, là. Un tube, c'est dans le tube, là, ça en passe, il y aurait l'artère, l'artérie. C'est dans l'artère, là, l'artère, là, qu'on dit, comme faible. L'artère, là, qu'on dit, faible. Et qu'on y a là, à cause que les faibles, hein, ils viennent faire mon sac, et puis là, quand ils font mon sac, ils viennent filer avec ça, le fait que les faibles, ils sont capables de boucher, ça veut dire qu'ils sont capables d'exposer. Et bien, là, que les exposés, qu'on y a là, on vient faire une hémorragie, qu'on y a une hémorragie, ou bien ça, qu'on lit dans le bouillon. Ce qui fait que ça met pression dans toute partie dans le bouillon, ce qui fait qu'on y a là, ça permet de définir où on se trouve, parce que qu'on y a là, on vient bien, ou pas gagner assez d'oxygène, ou pas gagner assez de nutriments qui passent dans le bouillon, qui fait qu'on fait un chaud. Et bien, deuxième passion pour faire en fonction, vous allez faire ischémique choc. Ischémique choc, c'est que les bon blocage ou bon cessation de sang qui a passé dans le tête, qui vient couler à la vie, fait que, et vous n'avez pas de nutriments, vous n'avez pas d'oxygène, et bien, vous êtes capable de faire un choc à cause de ça. Donc, si vous faites couler là, on dirait que, et damage ta tête, là, dépend de qui côté. Non, vraiment, c'est lui passé. Vous comprenez, il est capable très sévère et qu'on s'attend, il est capable très et pas très sévère. Ça dépend de qui va les temps que ça soit fait. Donc, pas dire que, et vraiment, il y a deux parties. Il y a un right side et puis il y a un left side. Donc, il y a un right side hémisphère et puis il y a un left side hémisphère. Donc, il y a un lien là, les confonctions, n'importe quelle partie droite là, et bien, c'est pas tout gauche là qui a. Et pas si gauche, non, pas si gauche là, qui affecte quoi? Et bien, les professeurs qui n'ont pas si gauche là, et bien, c'est pas si droite là qui affecte. Et bien, qu'est-ce qui est capable de causer ou faire ou bien cessation ou bien gain ou réduction dans le sang qui passe dans la tête là? Et bien, pas dire que, en fait, nous fait, attention, nous fait et cholestérol, nous faisons de plaques. OK, ou conformation de plaque, qui s'appelle plaque là, plaque là c'est accumulation plaque, accumulation calcium, accumulation et tout bagage qui a chita dans l'artère et bien, qui bloque l'artère. OK, donc il est capable de bloquer lui à 100%, il peut la bloquer lui partiellement. Par exemple, les noix plats va se en fait là, pas vrai? Parfois nous connait que classe manger chita nan seklan, li fè que de l'eau a monté, et bien de l'eau a pas qu'à descendre. Ça veut dire que quand je mange au bloqué, de l'eau a pour descendre, qui n'a pas quoi de l'eau a comme renversé. Et comme ça, tout peut être partiellement, quand c'est que de l'eau a descendre tout. Et bien c'est le même bagay là. Ou bien l'eau a dit un blocage partiellement, et puis ou bien l'eau a un blocage ou pour avoir un blocage à 100%. Donc, là, que, si le blocage là fait à 100%, eh bien, damage dans le corps fait plus grave. Eh bien, qui sait que vous avez gagné les que ou gagné ton bon hémorragie de choc ou du moins ton bon ischémie de choc? Eh bien, il y a un bagage qui vous dit que vous avez un paralysis ou qu'on paralysé dans one side of the body. Ou perdu du vision ou qu'on ne peut pas parler, ou perdu façon pour parler, pour communiquer, pour exprimer émotion. OK? Et ou capable, ou bien, parfois, il y a des gens qui paralysent à 100%, parfois, il y a des gens qui sont seulement witness,
que nous t'offrions 8-9 secondes, ça parle pas de 6 ans que sur la secteur, et gagner parfois tout, ou gagner, et j'allais gagner stiff dress of the neck, ok? Donc, et puis, ou gagner son effort. Donc, ça, 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 c'est symptôme qui passait, l'est que vous gagnez, et hémorragie chaude, ou bien vous gagnez, ischémie chaude. Donc, et bien, laisse arriver, et qui t'a docteur, lui, chez lui, non, allez, donc, tu penses que laisse, là, pour gagner symptôme, ça y est, c'est courir à cas docteur Wadoué parce que et pas que vous plus ou pas aller cas docteur, c'est tant d'aménagement qu'on va faire plus. Donc, il fait là, du coup, pour commencer, c'est courir à cas docteur parce que le cas rendre en série le plus vite possible pour faire que vous faites du damage qu'a fait dans le col. Et il y a une bonté quoi, parfois, ou comme bien on se fâche ou bon bon réduction, et bien, vraiment développer ou bagage qui est le collage au recirculation. Collage au recirculation, c'est que, pour, et même si par exemple, on a, ou a conduit pour notre trafic, pas vrai? Et puis, quand on y a là, ou est trafic tellement j'aime, ou quand on y a regardé en haut, regardé en bas, ou dit qu'on s'est dit, ah, c'est métier comme dans le trafic là, ou alors, ou passer dans l'autre petit route, ou pas passer dans le grand route là, ou passer dans l'autre petit route pour que soit arrivé pour tout aller. Et bien, c'est même bagaille là, pourquoi vraiment qu'on développe que là, le haut circulation. Ça veut dire que, il passe le grand route là, il passe, il allait, il formait l'autre, dans l'autre petit interpétuo pour lui voir s'il est arrivé côté, il besoin, pour qu'il passe dans le grand route. Donc, l'autre développe que là, le haut, dès qu'il fait qu'il y a là, on a moins de chance parce que quand même, vraiment point oxygène vraiment joint nutrients de qui fait la dame qui fait pour faire encore lui pas fait et tellement grave donc et donc qui laisse arriver docteur qu'on fait un série d'examens pour vous qui examen que lui fait lui peut pas faire au ultrasound lui peut pas faire au MRI ou au CAT scan parce que là au fond au CAT scan pour vous il est capable ouais. Est-ce qu'on gagne un trou ou pas? Et là, des clients, il faut qu'on ait tout ça. On a des gens qui sont capables de gagner, ou capables de gagner un bloc plat. Par exemple, les qu'on gagne plat, nous pouvons contacter, là, qu'on a une cessation de. Là, qu'on gagne une série de bagages qui accumulent dans l'intérieur, et bien, ils comptent fait que. Et bien, ils comptent fait que. Non, qui viennent faire plat, qui viennent faire. Projet là, donc tu fais ou fait pas un bloc là qui développe, plat là ou comme un gros sur plat qui développe, et puis qui a chita qui traverse ta chita dans le poumon, et puis qui font embolie avec ton bloc là, et puis qui fait pas permettre tout ou fait choc là qui facilite toujours les gros embolies dans l'état embolisé. Donc un gros bloc là, tout ça toujours permet que vous faites chaud. Donc, qui fait pour ça, docteur, qu'on peut casser pour vous, et par exemple, ou bien lui faire un MRI pour lui garder pour vous, qui grosse sensation, et lui garder pour vous, qui j'en blocage en fait, et puis, qui grosse en blocage là, est-ce que son pas un blocage qui partiel, ou bien est-ce que son blocage qui est à 100%? Pour l'examen encore, docteur, qu'on fait, lui qu'on fait, ou angiogramme. Angiogramme, c'est côté, yon mettons un cathéter en dedans à terre là, et puis yon mettez un iodine. Iodine, c'est pour capable de visualiser lui, et puis qu'on a yon prend, yon te pour X-ray, puis yon capable de voir blocage là. Donc, yon j'ai dit test ça, c'est lui même qui standard test pour tu garder pour voir sous ses cheveux. C'est ça qui fait que, quand on allait, qu'on allait qu'un docteur, bon, mais même quand on travaille, en intérêt practitioner en clinique, et ça que nous fait, à chaque fois malade venu, spécialement malade qui fait qui fait cholestérol, malade qui fait diabète, malade qui fait cholestérol, diabète avec tension, lui je lui nous toujours fait un échocardiogramme pour malade, ça nous fait les chutes pour chaque année, ça passe là, échocardiogramme, ce qui fait que il est capable visualiser pour être est-ce qu'il y a assez de blocage. Donc, si que vous suspectez vos cas, bien qu'on y a là, il est capable de vous aller au cardiologue pour traiter ça pour vous. Donc, si c'est la façon dont vous vivez, vous faites une fois chaque année, ou bien vous êtes capable de faire une date pour vous, et vous avez un carotide à l'ouïe, c'est là que sans passer pour la lancer tout,
Donc, si c'est qu'on y a un capable, est-ce qu'il y a un blocage là tout. Donc, si c'est qu'on y a un test à yo, nous toujours encourager tout le monde, si par exemple, on a fait cholestérol, si par exemple, on a fait tension, si par exemple, on a fait diabète, si vous voulez aller à docteur, ou docteur fait examen sans opinion, que capable, est-ce qu'il y a, est-ce que votre blocage là, c'est pour pas qu'il fait deux jours, c'est à l'endemain, son bagage qu'il fait petit à petit. Vous comprenez? On commence à faire petit à petit jusqu'à ce que les capables de côté lui bloquer à 100%. Donc, il fait que la docteur capable, est-ce que le blocage en fait à 50%? Est-ce que le blocage en fait à 25%? Ou est-ce que le blocage en fait à 75%? Based on that, il peut aller même capable de connaître qui traitement que vous lui faites pour vous. Eh bien, qui traitement qui est capable de faire l'est que vous faites ou stroke? Eh bien, traitement, vraiment, c'est préventif, mes jeunes. Si vous avez souffert tension, souffert choc, avec souffert tension, souffert cholestérol, souffert diabète, eh bien, la prévention, c'est où est-ce qu'on va contrôler les bagages sales. Dès que vous contrôlez les bagages sales, prévention choc là, et vous pas même arriver dans faire choc parce que vous faites prévention, et sous le cholestérol, ou mettre sous côté le cholestérol, ou prendre médicament. Ou prend médicament, les filles, ou prend ou prend médicament, les filles, ou exercise, la pas modification, exercise, manger bien, ok? Sous faire attention tout ou c'est que sucre, sous faire sucre ou c'est que sucre, sous faire attention, ou prend médicament ou c'est que attention, sous bon suite, je dis, sous bon temps, côté de travail là, on réalise most patients. Usually, on toujours fait tous les trois. On fait ni tension, on fait ni cholestérol, et puis on fait ni diabète. Ce trois maladies, ça, on découvre faire, et spécialement, sous pas contrôler, sous pas manger bien, sous pas faire exercice, soit en janté seul, eh bien, on mettez tête tout à risque pour développer ce plus tard. Parce que ce bagage qui fait petit à petit, côté que, ou bon, accumulation, ou bon plat. Formé et puis qui a bloqué de petit à petit. Et bon, on a traitement encore, sous pour fumer, et puis encourager pour ça fumer. Ok? Un symptôme, par exemple, les filles du monde font aneurysme, les filles font aneurysme, comme on a parlé de ça qui sont aneurysmiens, c'est que côté que vous gagnez pour ça, vous gagnez aneurysme, c'est que vous gagnez un qui est dans la tête là, qui est vraiment weak, et puis qui dit weak, et puis avec ça, il forme un sac, et puis avec ça, ça est capable de bouture, ça veut dire que ça va exploser. Et donc, les malades à une photo, malades du conseil que l'idée de West Tedek dans la vie. Ce qui fait mal à la tête, on ne sait pas quoi c'est là. Les cellules tuées, ou bien un sang qui a accumulé, qui est pressionné maintenant, et puis on dit que le sang, il est irritant pour maintenant, et puis qu'on y a là, on a bien de West Tedek mal qui est capable d'exister, et puis ce qui fait mal à venir avec vomiting, ce qui fait mal à venir avec change of vision, cette mal-là a venu avec nausea, et puis aussi, vous n'avez pas bien, et stiffness of the neck. Donc, si c'est qu'on y a l'est, c'est que vous n'avez pas besoin de West Edex, qui est possible, soit même comme provider-li, ou toujours de penser que peut-être qu'il est capable ou aneurysme. Ok, donc si c'est ça qu'on veut aller dans l'emergency waterway, vous n'avez pas fait et casquet ou bien MRI ou bien examen possible pour voir est-ce que c'est ça qui est capable de traiter malade là bien sûr. Donc, c'est parce que vous encouragez pour prendre aspirine. Aspirine, on le considère comme anticoagulant. Anticoagulant, c'est ça lié, comme si on lui permet de lier le sang, lui fait que le sang ou pas des propos ou classe. Et puis, c'est une prévention, on t'a pas dit, c'est une prévention stroke. Do you want to add anything on? Oui. Docteur André, vous voulez additionner quelque chose? Docteur André, oui, docteur Wister, ça vous est la parole avec vous?
Oui, effectivement, je vous félicite à Jérusalem pour présentation. Alors, il y a deux bagages que moi je voulais ajouter en ce qui a trait avec AVC. Avec le pays noir, en Haïti, on n'aime pas les stroke que puisse comprendre. Avec, au début de l'histoire, que puisse comprendre le terme anglais en Haïti. Si AVC, il y a pour moi ce comprendre, mais tout le stroke que a comprendre. Et dans le contexte panouan, c'est presque le même genre avec les États-Unis. Alors, le bagage que je voulais ajouter, c'est surtout question épidémiologique là. C'est que dans le monde là, presque chaque 4 secondes, il y a un monde qui mourit de stroke. Presque chaque 4 secondes. Donc, c'est une statistique qui est très élevée. Et en Haïti, près de 70 à 80% des gens qui font stroke ont mouru à cause de bagages techniques qui manquaient dans différents hôpitaux publics. Donc, c'est un problème majeur pour nous en Haïti. Avec une population, environ 40% de la population haïtienne hypertendue, et tension en Haïti, c'est un bagage phénoménal parce que 40% de la population hypertendue, des jeunes qui hypertendus, et encore, il y a des facteurs prédisposants en Haïti qui font maintenant beaucoup plus hypertendus et d'un coup, qui augmentent les risques. Il y a un pays qui est très stressant, il y a un pays côté que nous mangeons pile sel, il y a un pays côté que au niveau socio-économique, nous n'avons pas élevé. Donc, ça prédispose maintenant pour faire un stroke. En Haïti, pas vraiment bien une protection parce que pas un système d'assurance vraiment pour les gens qui sont malades. Et la majorité des gens qui viennent dans l'hôpital, c'est un système prépayé d'hôpital. C'est-à-dire, vous venez, vous avez besoin de faire un scanner. Hein, et parce que là, on pense trop que dans trois premières heures de temps, c'est le plus important. Depuis trois premières heures de temps qui sont passées, la capacité pour agir en tant que médecin est limitée. Et en général, en Haïti, nous recevons environ 10 à 12 heures de temps après. Donc, ça veut dire que le bus, madame, nous venons, nous mettons que le staff médical là, nous devient inefficace, donc on est capable d'agir. Et en plus, les gens qui sont venus, les plus souvent, ce sont des personnes avec un niveau socio-économique très bas, ou vraiment des gens rapidement, et pour le faire un scanner, parce que son système prépayé, et les gens allaient très difficile pour gagner 350 dollars américains sur place pour le faire un scanner. Ça, c'est en fait m'a défini ou bien m'a élaboré quelques obstacles que nous gagnons par rapport avec nos médecins en Haïti. Et l'autre bagage qui est important, c'est niveau éducation, nous n'avons pas ici parce qu'il y a crèche avec pathologie. En Haïti, tout problème qui est rapide, qui est soudain, qui vient brusquement, est toujours attribué à un problème fétiche, un problème démon et malfaiteur. En Haïti, lorsque le plus souvent, entre les populations, les gens rapidement les postulés, on partit dans le col paralysé, ils ont dit c'est un coup de pièce. Donc, bagaille qui ont été tant volés. Et ils ont tendance à aller à l'échouan avant que même ils viennent à l'hôpital. Et ça, car c'est très compliqué. Parce qu'en Haïti, nous, en tant que médecins, comme nous l'avons dit une fois, nous presque passons en quatrième position en échouan. Lorsque les gens sont malades, ils observent la taille. Si ils ont pas marché, ils ont fait automédication, ou bal médication. Après, il y a le cas où il y a un monde qui prie à pied. En quatrième position, on vient de l'hôpital. Pourtant, il a supposé l'inverse. Donc, il y a un pays côté que par un système d'assurance qui pour protéger les gens. Lorsque les gens viennent, ils ne sont déjà pas éduqués pour connaître que les pathologies sont pathologies médicales. Et les gens ne savent pas gagner moyen pour fonctionner dans le système prépayé parce que si quelqu'un est venu dans l'hôpital et si faut gagner moyen à mettre sur place pour faire un scanner, ou pour faire un scanner, l'hôpital côté lié ou bien centre de santé côté lié à disposer de scanner là, ça a été un obstacle. Donc, nous-mêmes, nous sommes très disposés, comme nous avons en Haïti et dans l'hôpital, c'est un bagage catastrophique et dans l'hôpital côté lié, dans la médecine interne. Donc, c'est en pile la population et même plus que moitié patients ont été voit avec stroke. Donc, grâce à eux, pas souvent bien évolué. Ça ne fait pas bien évoluer. Ils ont venu tardivement, c'est-à-dire comme on dit, dans trois, pas première faire dans le stroke. L'homme pense que pour arriver à l'hôpital, là, c'est ce qui est primordial. C'est ça qui est bon, mais nous toujours recevoir
le lendemain, mon enfant sauve aujourd'hui, nous c'est pas le lendemain, pas le plat carré, pas le temps au cas où, et ou du moins, mon envie ni, niveau moyen économique du département pour le faire face, c'est pas un système de protection. Et puis, système technique, niveau technique, enfin, les appareils qui manquaient dans différents hôpitaux, diminuer la capacité des médecins qui sont chez Bodé, qui est formé à l'étranger d'ailleurs, et qui est en Haïti, qui est formé à Haïti, à l'étranger, en Allemagne, etc., dans ce pays, mais ou très limité lorsque, et à ça, il y a bon. Donc, prévention en cas de stroke, comme M. Roudel a parlé de lui, les pathologies, par exemple, au monde qui est diabétique, au monde qui est cardiaque, et comme il dit, il y a différents types de stroke, et ça va être les stroke ischémiques qui sont plus fréquents, on rejoint 85% des cas. Donc, c'est pathologie, côté que, il vient le plus souvent de manière brusque. Peut-être des fois, au cas où on s'est séparé, on peut faire mal, il y a des malaises qu'on gagne, mais des fois, c'est mon injustité la parler et puis le fausse. Mon injustité la marcher de tomber. Mon injustité, une autre situation que l'été, il fausse trop. Donc, ça passe côté le plus souvent. C'est un monde, par exemple, qui non l'âge, qui gagne une famille sur le côté, qui fait toute activité brusquement fausse trop et le plus souvent avenue famille. Imaginons que et ce sont des pères, ce sont des mères qui avenue toute famille, ça met en jeu. Donc, il y a une meilleure méthode de prévention en Haïti pour stroke ou bien une méthode qui est à nous faire face. Premièrement, c'est à éduquer la population que stroke, c'est pas très important. En Haïti, les gens malades, ils ne parlent pas à l'hôpital, ils ne parlent pas à l'hôpital, mais ils ne parlent pas à l'hôpital. Et nous avons fait une tension depuis longtemps. L'agent à l'hôpital, la première fois qu'on a fait une tension, c'est l'elfostro. Donc, il y a toute ville en tension. Et ou du moins, notre méthode encore, c'est un système d'assurance. Ça veut que les gens qui viennent de l'hôpital sont obligés de comme pour gagner pour faire une prise en charge. Ça, ça suppose primordial. Pour t'assurer votre système d'assurance, c'est pas même genre avec les États-Unis que des gros malades, des gens qui viennent dans l'hôpital, des gros assurances à payer, qui fait ceci, qui fait cela, mais on a été différent. Donc, en fait, c'est en gros, on va ce que nous avons ajouté pour les questions, mais c'est ça que nous n'avons pas ajouté jusqu'à maintenant. Ça nous aide. Gloire à Dieu. Second Lone? Ben, oui, nous disons, on se va seulement nous faire ajouter, nous voyons plus de fois qu'il y a encouragé pour nous prendre un bébé aspirine chaque matin, ça a aidé, même j'ai avec ce Rosel qui parle là. Mais que si que vous savez yon qui a fait stroke ou senti ou connaît un signe et vous venez que vous avez fait li, yon encouragé pour pas courir pour prendre aspirine parce que vous pas connaît qui qualité stroke que vous fait. Est-ce que son stroke interruption de et blood que je dis ça circulation qui parle dans le cerveau a, ou bien son interruption, si c'est hémorragie, on prend ou pas. Pas aspirine, n'est pas bon pour vous. C'est un blood clot là, côté que c'est un clot. Aspirine là, bon pour vous-même. Les que vous-même pas connaît, ou pas oublier à aspirine dans tout droit, de quoi pour ça capable ou pas venir plus mal. Et on a regardé les premiers signes de stroke. Ou est-ce que son signe que plus fort maladie vient avec lui? Je parle au capable de sentir si vous voulez vomir, je parle au capable de sentir si vous voulez faire mal, je parle au capable de sentir si vous avez une indigestion, ou sentir que vous avez un heartburn. Ce sont des choses qui sont similaires, mais ça que nous voulons pour réellement faire attention avec les sons acronymes que nous relais l'entente médicale là que nous relais FAST FAST là où on sent que ou est que et que j'ai dit ça ou après symptôme ça y ou après ça y regarde où est bon figure vous comprenez ou capable de construire pour quand même connaître seulement regarde dans la glace regarde où est bon figure qui
paralysé qui a descendu, passé l'autre là. Regardez où est Méo, comment ça a gagné weakness, je viens faible. Vous comprenez, vous regardez où est, vous venez pas qu'à parler, maman. Des fois, attendez ça, est là, c'est pour voir Figo, qui a fait tout, qui a commencé à descendre. Ah, c'est pour Méo. Pas vrai, est-ce que c'est parce que Pitch Ovin n'a pas qu'à parler? Il a dit aussi supposé faire TA, c'est le pour les 901. Parce que les courriers les 901 sourisaient dans l'hôpital là. De 4.5 ans, 4 ans et demi, avant, après une stroke, pour gagner plus de possibilités, pour gagner complet et, je dis ça, oui, veut. Ou yon rande yon seri a kouz de tritman ke nou genye anti-embolik pou ki kapab reyelman ede ou. So, on moun, le nou la ka, nou la eksperyansi sa, ou nepot kote ke ou ye ya, se pou bagay pou jous gade, pwase ke plou bonè ke ou rele e 901 kote ke ou ye ya, se plou... La 911. Se plou pou kapab pou yon kapab ede ou. Et nous voulons dire que les coffres strokes, l'embout gauche, les plus dangereux. Ça veut même dire que c'est à te dire, l'offre est une embout, les renverser dans l'autre bord, mais les coffres gauche là qui fait, et son cas qui est plus dur parce que toute l'autre bagaille est passée droite là. Et en plus, tout, nous conservons votre nouvelle personne dans l'église. Nous sommes capables de faire un bagage qui est les mini-strokes que nous avons TIA. Côté que nous gagnons en small interruption of blood flow. Donc, si ça va faire, sans qu'on pas connaître. On peut les faire sans qu'on pas connaître. Et pour jusqu'à ce que vous venez faire un massive stroke et puis aucun problème. Nous avons l'autre gentil que nous gagnons l'autre que nous avons silent stroke. En silent stroke, c'est pendant que si ça va faire stroke là, ou pas même réaliser que stroke là ou fait stroke là. Donc so, nous réellement pour nous garder connu, ok, faire attention avec connu et ça c'est bien. Make sure nous consulter docteur. Nous avons une question sur Facebook et nous demandons sur Facebook de poser des questions parce que on a plus de priorité. Sur une question qui posait, est-ce que aspirine bon pour tension? Est-ce que aspirine bon pour tension? Bon, qui est-ce qui peut répondre à la question ça? Oui. Je prends aspirine chaque jour et moi fais tension. C'était encouragé. Moi, mais pas tout aspirine. Je suis posé pour prendre baby aspirine. Et pas parce que tout le monde l'autre aspirine, n'a pas l'autre deux. Ça qui gagne 81 mg là. On dit réellement bon parce que aspirine, l'autre est en tension. Ok, high blood pressure, côté que tension, blood pressure qui est a been cause que vous êtes capable de faire un stroke. Parce que stroke capable d'hémorragie ou bien de capable de blacker. Donc, aspirine là, capable que. Sans que formé à cette classe là, à qui il est capable d'aider lui pour lui venir faire coagulation sorti, so oui, il est réellement bon pour prendre un aspirine. Bon, si ça qui est ça me dit qu'à ajouter, on va voir ça, c'est qu'il lundi, c'est que. Aspirine, il est dans la catégorie des médicaments anti-agrégants plaquettaires. Ça signifie que ça, c'est-à-dire, il y a des cellules dans le corps qui permettent, par exemple, sans caillot. Par exemple, si vous blessez là, vous avez vos petites boules sans qu'il y ait une fête. Ok, il y a des caillots. Maintenant, de manière physiologique, aspirine, il y a un corps qui permet le caillot à fait en tant que corps. Hein. Et empêcher plaquettes de bonnes cellules collées ensemble. Aspirine pas un antihypertenseur de base, c'est pas dans la catégorie des médicaments antihypertenseurs. C'est un médicament qui permet le sang fluidifier, c'est-à-dire que le sang devient plus liquide. Parce que le sang a un aspect visqueux, c'est-à-dire le sang est un peu épais. Mais il y a un monde qui est avec l'âge, parce que d'ailleurs, ce médicament, il y a des pathologies
pour supposer utiliser, par exemple, les gens qui sont diabétiques, les gens qui sont diabétiques et des autres pathologies vasculaires et cardiaques, qui sont les gens qui comme on apprend aspirine, parce que l'aspirine est très important. En fait, aspirine en soi, ce n'est pas un anti-hypertension, c'est un anti-agrégant paquetaire qui agit sur le sang, qui fluidifie le sang, qui a un effet minime sur la tension, mais de manière directe, ce n'est pas un anti-hypertension. Ok. Et nous posons la question, est-ce que un monde qui a un loplétlet est capable de prendre aspirine? Yon moun gen ki sa? Loplétlet, c'est-à-dire, m baron comment il dit ça en français, yon... Loplaket, moun ki kret sa yo, m baron comment il dit la français. Loplaket. Loplaket, c'est que yon moun sa yo de li, trombocytopenia. C'est-à-dire que yon gen nombre de plaquettes là, dans son, qui diminue. Effectivement, si vous avez un nombre de plaquettes qui diminuent dans le sang, au moins pour plaquettes, vous avez 150 000, au moins pour PPT. C'est entre 150 et 400 000, les supposés, y est, par 1 millilitre de sang. Donc, plaquettes là, et normalement, lorsque vous avez un niveau de plaquettes qui est inférieur à 150, on a un risque pour le faire pour hémorragie. C'est-à-dire que muqueuse, gencive, mon enseignant et tube digestif, mon enseignant, les cafés de sel, côté ouais, la gaisse, la donne, etc. Donc, si que mon enseignant déjà prédisposé pour l'enseignement, il n'est pas supposé aspirer parce que aspirer n'a pas le fait sans plus liquide, plus liquéfié, il pourra fluidifier ça, il a augmenté le risque hémorragique que mon enseignant déjà gagné avec. Plaquettes. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des pathologies côté que ils gagnent plaquettes. Par exemple, autrefois, nous avons gardé l'hôpital là, nous avons des gens qui ont un niveau de plaquettes zéro. Nous avons couru hospitalisé, fait transfusion de constante de plaquettes pour lui, pour te permettre de manger son maladie et auto-immune qui permet de détruire toutes les plaquettes. Ça étonne mon monde qui est capable de gagner zéro plaquette. Elle vive. Wow. Allô? Docteur Whistler? Ok. N'a posé une autre question à Tim qui est là avec nous. Et ça que nous jouons okay. Docteur Whistler back. Ça étonne, docteur, il y a un monde qui a zéro plaquette capable d'arriver vivre, d'après que c'est un monde qui a une faible plaquette. L'oplétlet, c'est faible oui. Plaquette. Donc, qu'on a 89, il dit que il y a une possibilité de faire transfusion, comme il y a un domaine de là, parce que les produits, il dit que le monde qui a une faible plaquette, il y a Vous pouvez faire stroke tout. Quel minimum de plaquettes au monde qui a gagné qui est capable de faire pas faire stroke? Quel minimum, en principe, vous avez arrivé? Je connais 150, mais quel voilà. minimum? 150 000 minimum. Cependant, moins que 150 000 ou à risque pour faire hémorragie. Mais et c'est des monde qui a moins que 150 qui vivent normalement. Mais vrai risque hémorragique, côté dit vraiment sévère, c'est entre 20 000 à 30 000. Et pour moi, entre 20 000 à 30 000, ou vraiment un grand risque pour faire une hémorragie, et pour faire un stop. Parce que, les alliés, lorsque vous parlez de plaquettes là, tout côté d'un corps a saigné. Comme on dit, vous avez bossé bouchou, j'en sais vous tombez saigné, et ça n'a pas jamais arrêté. Ou vous avez fait ça, ou vous avez fait ça la donne. Ou ka wè ke an dan cerveau tout sans ou et puisque pa gen coagulation parce que sa plaquette la fait plaquette la permet sans rete visqueux li permet caillou yo fait et laisse ça li empêche ça vin trop liquide donc laisse en trop liquide donc li permet que
mon cas et comme on dit les cas saigner n'importe qui côté et d'ailleurs c'est sous ça aspirine agit des fois que nous besoin sans mon liquide liquide par exemple mon qui gain et problème diabétique côté que la diabète là agit sous vaisseau yo qui peut descendre dans tout corps yo diabète là agit diminue calibre vaisseau yo il agit en dans vaisseau il diminue lumière là des côtés pour votre sang yo et bien pour nous permettre d'arriver plus loin que possible, nos bails aspirines qui sont anti-agglomérés plaquettes, de l'empêcher plaquettes agglomérées et de l'empêcher sans poids presse. Et puis pour s'en plus qu'il pour aller plus loin que possible. Mais, il y a un monde tout qui n'a pas assez de plaquettes, comme on était en médecine, et tout ça propre, si c'est un problème, tout ça propre, c'est un problème. Parce que il y a un monde qui a trop de plaquettes. Étant donné que ce n'est pas ce domaine, nous n'avons pas prêté ce domaine trop, mais il y a une pile question à poser parce que nous connaissons un docteur, mais docteur, celle-là, au fait, chaque fois qu'on est arrivé, 40 ans, on compte, on dit bon, ok, mais comment lui? Mais parfait, pas qu'on est si bon procédure, mais on ne va pas tourner comme sujet sur lui-même. Donc, question là qui est posée. S'il vous plaît, si toutefois, ou ouais, pour. Ou ap gratte ou, pou ap gratte ou, li fait un coup yon allergie, qui sa ou pense li kaye docteur? Et sa question dit, c'est cette même Montelas qui pose la question. Qui sa ou pense sou ou ouais, pou ap gratte ou, est-ce que son signe de stroke que li est? Nous pas ouais ça, yo, typiquement comme signe de stroke, sou ou ap gratte ou, et li vin ou li. Nous pense que n'importe bagay kaba ou, ka fè kwa ap gratte ou. Li kapab yon alerji, li kapab yon pikye de moustik, li kapab n'importe l'autre bagay, li kapab utilisation de yon médicament tou, mèm sa pa yon katitik ou bien yon sintitik pou stroke. So pou pa ganyan wè avèk stroke? Bon, pou ka wè avèk stroke, parce sou fon stroke, gen kote nan kor, ou ka rivo pa santi anyen. Ça dépend de quel type de stroke vous faites. Parce que gain stroke qu'on a fait, c'est le mouvement qu'on n'a pas fait non parti, mais qu'on a senti. Par exemple, sous un stroke, c'est un pied qui est paralysé, et gain stroke qu'on a fait ni pied paralysé, ou pas senti, ou pas qu'on a fait mouvement et ou pas senti rien. Et gain stroke tout qu'on a fait pied paralysé, ou senti un bagage, mais ou pas qu'on a fait mouvement. Et gain stroke tout qu'on a fait pied paralysé, ou qu'on a fait mouvement, ou juste pas sentir rien. Par exemple, il y a une catégorie de stroke que nous appelons qui est très important et que nous avons mal interprété en Haïti. Mon arrêté, il fait toute activité, il parle ou parle avec, il comprend, mais il ne va pas parler. Nous seul coup, il ne va pas parler, mais il comprend, nous dit lever, il marche, il fait tout à fait. Ça capable d'entrer dans le cadre de stroke. Si brusquement nous arrêtons, nous avons mon arrêté, il ne va pas parler. Mais il est conscient, ou bien manger, il est léger, il est capable tout à fait, il est capable de se stocker. Et les ça, quand on est aphasie, il y aurait des gens qui aphasie de Broca. C'est-à-dire que le monde n'est pas capable. Ils comprennent, mais ils ne sont pas capables. Il y a un langage, parce que c'est à voir chaque partie de la voix qui est responsable du mal. Il n'y a pas de questions pour garder, il y a pour marcher, il y a des questions pour parler. Donc, si on prend qu'à faire n'importe quel côté dans le corps, et si on ne sait pas si le langage est à l'atteindre, j'ai juste que tu le bâtard. Gens Keisha Martino qui salue Dr Whistler sur Facebook. Étant donné que moi apprendre et m'a posé une question à Tim là, pourquoi une question sur Facebook et ça fait n'a posé question. Nous apprendre que nous parler de aspirine et même moi apprendre la nouvelle, il dit que aspirine pas bon pour mon prend et on vient découvrir que aspirine cause des gars dans corps humain. Qui ça nous capable dire est-ce qu'on tendait ça tout est-ce qu'il y a une annonce aux elle ce que dans le docteur Wister qui contendait et nouvelle ça soit aspirine parce que dit aspirine dangereux pour le corps. Est-ce que qui ça nous capable dire dans ça? Bon, ma connaissance et je et plan ou bien sur Roosevelt, votre maman pense intervenir sur la compléter. Moi-même, en fait, moi j'ai appelé mon dernier article, semaine dernière, là, qui était fait comprendre que aspirine pas bon. Aspirine, on ne peut pas utiliser systématiquement parce que c'est pas bon. Les gens qui ont utilisé aspirine de manière massive, ils ont fait une étude
yo wè li c'est possible. Mais étude ça pou convaincant. Nous pou ka di définitivement que c'est ça. Nous gen l'autre étude qui pou faire parce que avant que nan monde scientifique y accepte une vérité nan monde, pour qu'il y ait plus de recherches sur lui, côté qu'il y a prouvé ça, c'est pas rétérité ou de la nouvelle ou de la radio ou bien une seule étude pour prouver ça. Parce que jusqu'à présent, ça nous connaît des aspirines, nous connaît des aspirines très bon et il y a des maladies qui fait ou fait, qui diminue la mortalité. Par exemple, il y a des gens qui ont un problème coronaire, un problème coronaire, c'est vice qui peut être sans pour ou un problème, aspirine très bon pour ça. Il y a des gens qui et par exemple qui constate par exemple je te connais presque aspirine pour tout le monde qui a plus de 50 ans autrefois je te connais demandé pour prescrire mon ta aspirine yo monde qui a des problèmes de coagulation c'est-à-dire il y a un problème sans li à coaguler trop c'est-à-dire il poste trop la perte le caillot trop mon ça on peut utiliser aspirine donc il y a des études qui a montré que nous pas supposé utiliser les massivement mais dans une étude ça yo étude ça nous a dit yo très prometteuse mais yo beaucoup vraiment disons prometteur mais yo beaucoup vraiment et bon vérité absolue et définitive. Bon, d'après que nouvelle que entendez bon pas connait ça attire attention moi parce que ce que plan prend on aspirine chaque jour ce que plan est-ce que autant de nouvelles ça tout que aspirine pas bon pour quoi. Oui, moi tendez que yo fait parler avec lui, mais pour monde qui fait attention, li vraiment bon, ok, parce que yo a at risk, spécialement si tension pas maintenue, yo a ou at risk pour faire stroke, so aspirin now you work as an anti coagulant pour li réellement aider. So pour moi même, malgré le levé des femmes quand je comme boule, parce que aspirine là pour bruit, but the pour moi-même il y a il travaille pour moi, so bah ça a dit la côté que c'est pas bon, hein? on prend bon, c'est pas bon. Bon, on qui fait plaquette, nous prescrit aspirine et ou pas qu'à prescrit mon ça aspirine qui l'autre bagaille capable remplacer aspirine par eux-mêmes que tu capable bailler au monde qui gagne l'eau plaquette. Bon, est-ce que ça va du tout, est-ce que tout le monde qui fait l'eau plaquette ou obligé bailler aspirine qui indication aspirine? Non, parce que aspirine il y a trois doses dans l'utilisation. Gon dose d'aspirine son dose anti-aggregant plaquette. Par exemple, si vous utilisez dose 81 mg chaque jour, hein, c'est anti-aggregant plaquette. Ça veut dire mettre 100 000 plus litres. Si vous utilisez une dose à partir de 300 mg d'aspirine par jour, ça c'est une dose qui anti-inflammatoire. Ça veut dire que de diminuer l'inflammation. Et à partir de 1000 mg d'aspirine, son dose antalgique. J'utilise 1000 mg, c'est pour douleur, la bilier, les cales. Il y a trois niveaux, au niveau pour sang, au niveau pour douleur, pour inflammation, et gondole, c'est pour médicaments. Maintenant, ça, pour qui ça peut obliger d'utiliser aspirine, dans quel objectif? Si c'est un problème d'inflammation, nous n'en gagnons, laissons qu'à utiliser n'importe quel médicament dans la catégorie aspirine, mais qui n'est pas agi sans. Si c'est un problème antalgique, si c'est pour douleur, ou avec l'autre médicament pour douleur. Si, mais tout, il y a des gens qui ont un peu de cytopénie, c'est-à-dire qu'ils ont fait plaquette, il ne faut pas obliger à utiliser une certaine plaquette, déjà, ils ont fait plaquette, donc ils ont compté l'indication. Il ne faut pas supposer utiliser le même. Et il ne faut pas supposer utiliser aucun autre médicament, tout, pour empêcher l'agrégation de plaquette là tout. Sauf qu'il y a des pathologies, que vous n'avez pas gagné, les gagnants, yon faible plaquette et malgré ça, yon des caillots de sang. Ça veut dire que plaquette yon là, mais yon aggloméré, yon fait boule dans sang. Et leur contrôle dans sang ou elle petit, mais pourtant yon caillots de sang qui a formé. Donc peut-être son indication pour ça, et ça a besoin yon pour ça beaucoup plus spécialisé, ou va le déterminer qui maladie qui cause ça, et puis vous allez dans ce. Donc yon moun qui yon faible plaquette,
m'a pas quelle bonne indication vraiment pour utilisation d'aspirine sauf dans des pathologies rares et au cas et les ça si son pathologie rare on passe à un autre médicament et on après c'est mon parce que la médecine c'est comprendre tout les médicaments ne sont pas des bonbons parce qu'en Haïti nous quand ça on utilise des médicaments pour n'importe qui bagarre on ne compte pas mal parce que actuellement là un médicament pour le ministère de santé publique et mettez surtout une note, peut-être malgré ça vous me voyez le bout, son médicament qui a été utilisé pour ça. Mon nom a été utilisé, c'est-à-dire, il y a 20 ans, pourtant, et ce n'est pas médicament, il y a 20 ans, ce n'est pas l'hypnose pour avoir vraiment. Son médicament qui est clarifié, il y aurait des médicaments, mais par exemple, quand on prescrit un médicament qui est clarifomycine, il y a deux clarifomycines au vent, il y a 20 ans, pourtant, c'est métformé avec l'hybride du médicament pour sucre qui est clarifié au vent. Et le ministère là, fait quelque chose pour nous, pour Haïtien, pour suspendre. Parce qu'en Haïti, on a des catastrophiques. Nous avons des buts dans les ventes de médicaments, les ventes de médicaments, la promesse des médicaments comme bonbon dans le bus. Nous avons pris un antibiotique pour être fait mal, nous avons pris un diclofénac pour problème, pour antibiotique, pour diarrhée. Nous avons pris un médicament pour médicament. Et toi, on a pris un bon médicament comme surette. Et mon nom est chaque monde qui a un paquet de médicaments à la caillou. Et bien, des problèmes, non, il y a un bon problème, il va prendre un bon moment, il va prendre un bon moment. Des fois, en pile fois, on recevra mon hôpital, mon nom prend 3-4 médicaments, les 400 qui ont fait mal, il prend 3-4 médicaments, et puis malheureusement, la grave cas, il vient de l'hôpital. Donc, les médicaments ne sont pas des bonbons. Et en médecine, chaque médicament a utilisé une utilisation aux amis. Les gens bon côté, les gens mauvais côté, mauvais côté. Donc c'est là pour aspirer là toujours. Et avant de retourner dans le sujet, c'est que aspirer là, il y a un problème à utiliser. Aspirer là, il y a un problème. Mais il y a un problème saignement tout. Ça c'est mauvais côté aspirer là. Mais bon côté là, il y a pile pathologie, il diminue mortalité maintenant. C'est-à-dire qu'il faut mourir avant l'heure sous une telle pathologie. Par exemple, au monde qui est diabétique. Qui ont un problème coronaire, c'est l'utilisation de diminuer la mortalité. On est comme si on était cadré si on a 15 ans, donc il a mouru dans 20 ans. Il diminue la mortalité. Donc, donc ça, c'est bon côté. Hein. Mais effet secondaire, ce n'est pas facile qu'on gagne. Donc, il y a Kerisha Martino qui pose une question qui dit comment prévenir l'accident cérébral vasculaire? Comment prévenir? Prévention. Bon, je dis que ma place pour répondre à une question, parce que tu as bien détaillé. Et puis, prévention et c'est vasculaire, en comité en créole, et cérébrovasculaire accident, comme tu veux le choquant, réellement, c'est prévention côté que si on fait attention sur son cholestérol ou des sucres pour capable balancer et pour capable balancer maladie ça yo pour capable contrôler yo parce que depuis qu'on vu chez les depuis qu'on fait maladie ça yo, on grand plus grande chance pour développer plaque dans l'artère yo comme je t'explique déjà qui ça qui plaque là ce sont des APOE comme ce sont blocage ou bien calcium ou bien fat ou bien tout bagage qui accumule dans l'artère qui vient pour blocage et bien c'est à cause de blocage ça qui dans l'artère qui capable de permettre qu'on fonctionne plus tard donc si on va dans cap travail tical accumulation à fait jusqu'à ce que côté que au capable un blocage total ou du moins ou capable un blocage partiel et puis qui peut avec que ou vite fait parce que les qu'on un blocage total il a la sang vient pas aller dans brain encore parce que dans sang c'est là qui oxygène c'est là des nutriments qui aller dans brain qui aller dans cerveau et bien sans bagage ça le cerveau pas capable fonctionner le petit que cerveau après 4 minutes sans oxygène après 4 minutes sans nutriments et bien cerveau capable d'aide. Ou comment vous dites, pour s'occuper là, ou toujours besoin de circulation qui est passée dans notre corps, qui parle dans le brain, qui peut permettre de savoir l'été en santé. Donc, d'accord, sa prévention réellement, c'est lifestyle modification, bien manger, rester loin de un pile sel, ok, et exercise, manger qui n'a pas un pile saturé de pâtes,
et c'est vrai pour moi, graisse, pas de manger fruits, parce que manger fruits, bon cholestérol. Ou après, il y a de manger, comme si nous, même ici, nous même qui viennent fruits, nous même, je dirais que c'est préférable, ou après manger, ou mettre dans la sauble, ou pécli, que ou fruits, parce que fruits, fruits, pour de cause du cholestérol. Nous même, nous devons manger un peu de sel. Et nous mangeons, nous faisons manger, nous continuons sel dans manger, ou de nous mettre un pile, un pile d'autre à bobo, de mettre Maggi, bah, ils sont dropés sel là dans le oui. Donc, il fait qu'il y a là, sel ça y a fait avec eux, tension haut. Et puis surtout, ce qui fait là, c'est toute maladie ça y a, le conseil qui permet ou bien accumulation, ou bien de plaque formation, et pas vrai qui vient faire avec nous, de blocage, et puis qui est capable de faire au pot, qui est capable de faire au pot. Dis-moi, pas boire, pas fumer. Oui. Pas boire, pas fumer. Pas boire, pas fumer. Pas boire, pas fumer. Oui. La prévention, c'est manger. C'est manger. Premièrement, c'est manger. Parce que nous mangeons, c'est l'équilibre 1. Parce que parce qu'on mange, c'est le qui fait prévention tension, c'est le qui fait prévention sucre, et puis c'est le qui fait prévention cholestérol. Exercise. Nous, j'ai mis le mot pour exercise. OK? Le courage brisk walking. Comme si vous marchez brusquement, comme si vous faites que vous avez peur de travailler. Et puis ça fait avec que prévention toute maladie, ça y est, qui est capable de lire les choses. Oui, Oui, docteur, mais parlez-vous. Ok, il y a une bagaille que moi, ça a complété, comme je vous ai dit. Pour agir sur stroke, il faut agir sur sac by stroke. Yo. Donc, c'est comme si son de l'eau cap collé, si vous n'avez pas été à mouiller, c'est pas de l'eau pour ramasser, c'est tu as pour faire. C'est pour ça pour nous stroke. Là. Donc, si que y a un monde qui est diabétique, ou supposé prendre un médicament pour sucréter dans le niveau normal, chaque jour prendre un médicament. Y a un monde qui fait attention, prendre un médicament. Médicament, attention, c'est comme la prière. Vous levez le matin, vous priez, vous prenez médicament. C'est comme ça. C'est 1, 2, 3. Vous levez, vous priez, vous prenez médicament. C'est comme ça pour considérer le médicament, attention. Et ni médicament sucre. Et puis, l'autre pathologie. Vous avez toute maladie qui a un stroke, soit agir sur vous ou diminuer le stroke. Si cette tension allait monter, eh bien, prenez médicament, attention, chaque jour. Et dépasser en général, et des mondes, nous connaissons côté l'hôpital, à 180 par 120. Bon, mon autophone, nous joignons à 270 par 185 qui défend ce et en Haïti, nous avons une casse à eau, en pile. Des personnes de 32 ans, de 35 ans, de 40 ans, ça fait stroke, c'est catastrophique. Donc, c'est agir sous causio, et puis ça n'a mangé comme ce que vous avez dit, et bien que vous avez dit tout le bagage, mais il y a une bagage qui n'a pas ajouté en Haïti, c'est que vous ne mangez pas de sel. L'autre quantité de sel qui est trop dans le corps, il fait 7 jours pour l'éliminer. L'autre quantité de sel. Et n'oubliez pas que et les cubes sont plus salés que les sel. C'est-à-dire, magien, il y a 10 fois plus de sel que le sel. Il est tellement salé, il devient douce. Donc, à comprendre que. Logiquement, nous avons que nous avons un peu de jus de la vanille. Il est tellement douce, il est sucre, tellement sucré, tellement concentré. Mais c'est pour ça que je suis tellement magien salé, il est bon, une bouffe douce. Donc, c'est un poison. Et il est tellement bien sel là-dedans. Pas bien que nous disons, magien, il y a un excès de sel, vous prenez 7 jours pour éliminer le corps. Et le sel là dans le corps, il fait plus liquide dans le corps, il fait tension en haut. En Haïti, il y a un monde qui a supposé manger 5 à 6 grammes de sel par jour. En Haïti, chaque plat gagne environ 30 à 35 grammes de sel. Parce que nous prenons les cultures noires, c'est manger à fort et bien bon sel là-dedans. Et c'est ça qui va avoir. Nous, elle a avancé. Oui, vous mettez parler, oui, docteur. Et puis avec, comme un docteur vous l'a dit, exercice est très beau. Parce que l'on fait exercice. Vaisseau dans le corps, il vient adapter le calibre, il vient augmenter. C'est pour venir bien irriguer. C'est-à-dire que lorsque vous. Parce que dans le cerveau, il y a un vaisseau principal, un vaisseau secondaire.
c'est comme les gens sur la route d'Abdia. Donc, grand oui, qu'on a vu, mais qu'on bonne les petits routes à côté. Lorsque fait exercice, petits routes à côté, yo viennent élargir. Donc, si que route principale est bloquée, eh bien, sans qu'à passer dans route à côté, yo. Et ça a fait moins de dégâts sur ces voies si mon état vient de force pour. Oui, j'ai deux questions que je vais aller avec vous et qui est rapide parce que nous venons apprendre. Nous allons apprendre que un signe de stroke, c'est tête fait mal, vomissement. Comment différencier, parce que nous connaissons lorsqu'on a tête fait mal et vomissement en même temps, ils sont signes de meningitis, méningite. Comment capable différencier symptômes méningite avec symptômes stroke? Et le seul organe qui fait mal, vomissement, on dit ça, c'est stroke, ou du moins ça, c'est méningite. Eh bien, effectivement, méningite, c'est un problème, c'est une infection. Méningite, c'est l'enveloppe qui enveloppe les cerveaux. Maintenant, l'organe, il est irrité là-bas, on a des vomissements en jet, et les cabots des céphalées, bien, qui parlent dans le même niveau. Mais il y a d'autres signes qui accompagnent pour dire c'est une énergie. Mon avons une photophobie en cas d'énergie, c'est-à-dire que pas de lumière. Mon avons une fièvre parce que son infection est liée. Dans ce truc-là, on a une fièvre au début. Ou quand on a une fièvre après, dans ce truc-là. Mais mon avons venu avec vomissement, gros tête fait mal, et pour contrôler la tension, ou elle ou ça fait stroke. Parce que, mais énergie, là, après mon avons venu avec une fièvre, on a venu avec vomissement, la baignoire céphalique n'est pas même dans le même niveau avec les hommes qui ne peuvent pas gagner. Mais ce n'est pas même à l'heure que oui. Le fait que et ça fait que les médecins peuvent examiner les gens qui font méningite. Il y a des signes de méningite. Ça, c'est purement médical. Les médecins peuvent examiner, garder les yeux, garder le cœur, garder les poumons, garder des bagages de café, par exemple. Il y a des signes, il y a des flexions en avant, et voir chaque flexion en avant, il y a des bonnes bagages pour m'avancer là-dedans, que le médecin va regarder, va faire la différence. Parce que ce n'est pas seulement méningite, il y a une autre maladie qui va s'égaler, qui va être très mal, et qui va vomir. En pile maladie. Mais ces médecins qui font un examen clinique, qui parlent de différencier toute maladie, là, ou quand même plus que les maladies. Venez du vent, ça gagne quand il y a 1000 bagages qui cabalent. Mais c'est vous-même, en fonction des gens installés, parce que il y a un qui cabine avant l'autre, vous dites ça c'est ce qu'il y a un qui cabine avant l'autre, vous dites ça c'est ce qu'il y a. Et en fonction des gens qui ont été venus, et l'ont examiné, vous avez l'autre bagage pour chercher pour cabiner avec une diagnostic. Ok, deuxième question que je suis bien content de répondre, et je m'apprends, je comprends, et bien sûr. Deuxième question que m'gain, ça arrivait en pile monde, ça arrivait moi-même, ça arrivait plusieurs monde. Gen des fois qu'on a conduit et puis au gars, yo relé ça blank mind. C'est-à-dire était ou par contre côtoyer, c'est ou a conduit une zone qu'on habitué ou vinn grand blank mind. C'est d'accord, vinn ou par contre zone là, yo dit que et m'pa connais si c'est vrai et parce que nous pas gain connaissance en domaine là, il dit que l'OS arrivé son petit ministre que mon en fait minime. Est-ce que c'est vrai? Bon, bon, m'a quitté l'autre monde, mais juste avant, mon cas dit oui, mais c'est pas dans tous les cas. Ça dépend des gens qui installent. Est-ce que son bagage de manière progressive? Est-ce que son l'elfine fait? Est-ce qu'il disparaît? Oui, on capable prendre exemple pour peut-être moins, ça arrivait très souvent et des gars doit arrêter là durer une ou deux minutes après on venir reconnaître côté mien. Pas connait pour l'autre monde mais moi-même dans cas pas moi ça qu'on arrivé, dans une zone que m'habitué, fini pas ouais c'est pour monter c'est pour me descendre. Et puis juste quand que m'a conduit. Mais ça a duré peut-être moins de 2 minutes après et on venir éclaircir. Et ça répété souvent, est-ce que son cas de meningite qu'il y a? Il est capable de n'importe quel problème. Il est capable de un trouble hydroélectrolytique. C'est-à-dire, si taux de sodium, par exemple, il y a un problème de confusion. Il est capable de problème cardiaque. Par exemple, le cœur a fonctionné
Et par exemple, il y a des vertiges, il y a des hypotimies, ou bien l'autre bagaille. Et qui a fait mon nom brusquement, les gros problèmes, et juste après. Par exemple, moi-même, je suis quelqu'un qui a appelé mon lèvre, je suis juste resté, je me sentais bien tomber. Maintenant, moi, je suis devenu me réveiller. Et jusqu'à présent, je me suis dit que ça a été passé, je me connais. Donc, ça a arrivé vraiment que son monde. Parce que des stops, il y a un bagaille, il y a un stop, il y a des accidents. Et un TIA en anglais, c'est transitory ischemic attack. Une attaque ischémique transitoire. C'est-à-dire que mon avant c'est comme s'il y a un petit caillot de sang qui bouche au vaisseau. Et puis, les fins bouchées au vaisseau en côté. Et puis, même sans encore prendre, même canal sans encore prendre la lance marée. Il va boucher des matières définitives. Ou même définitives. Ou cas où ça va un petit problème transitoire. Et ça va un problème de 1 minute, par exemple, jusqu'à environ 2-3 minutes. Et même plus, les cabas, ou même pas définitif, ou pas n'étant un problème qui est installé. Les capables juste pour, mais les capables n'importe quel petit bagage tout. Par exemple, il y a des gens qui ont passé de une position à une autre position qui ont un problème. Ça. On a un catéchita, il est récampé, il est noir. Donc ça parlait de son problème. Il y a plus l'autre cause, il y a un problème cœur, il y a un problème vasculaire, il y a un problème d'électrolyte, il y a un problème de déshydratation. Par exemple, si vous déshydratez, vous avez chita, vous levez, ou est noir, vous pouvez virer comme ça tout, ou cas conduit tout, ou comme on dit, il y a un ministre qui a été, j'aime te expliquer. Non? Et puis, mon nom, vous avez un problème transitoire, mais qui n'est pas obligé en définitive. Mais là où ça arrive, ça part obligatoirement au stroke, mais ça ne va pas éliminer la possibilité pour que ça fait taille. Nous toujours apprendre en pile mini stroke vient causer un massive stroke. Est-ce que son monde comme ça, est-ce qu'il pas bon pour aller dire docteur ça, sans qu'on fait expérience, peut-être tu es capable d'analyser pour voir est-ce que c'est plusieurs mini strokes qu'on fait. Et c'est pas loin où il veut un master stroke pour voir que on fait un massive stroke. Est-ce qu'il pas bon pour expliquer docteur ça et puis le docteur va analyser pour voir. Qui effectivement. Donc, c'est pour le cas le plus souvent nous qu'on rencontre en Haïti. C'est que mon attitude, c'est le pas capable encore du tout. Et c'est le. Par exemple, stroke là, il y a des signes annonciateurs que le monde connaît gagner pour sentir pas le stroke. Il y a un monde qui a senti un crop dans la main pour dans son stroke qu'on va faire. Non seulement, par exemple. Il y a un cavon céphalé pour dans son stroke qu'on va faire. Il y a des signes accompagnateurs qui va prouver que, qui va prouver que son stroke qu'on va faire. Donc, quel que soit le problème que nous avons, de bon là, on dit qu'on se prend la durée pour se poser à l'hôpital et on voit qui ça qui est passé. Des fois, il n'y a pas un problème vraiment. Par exemple, un monde qui a un tête fait mal, parce qu'on n'a pas bien dormi. Un monde qui a gagné. On te fait mal, c'est parce que on te prend soleil trop, parce que on fatigué, etc. Mais tout, les cas ont un gros problème. Automatiquement, on a des problèmes à investir, ou supposer vite pour un médecin, pour faire une évaluation, pour regarder est-ce que c'est un problème. Si c'est un problème, pour qu'on dit ça. Un autre exemple encore, on apprend, et on a pris un exemple tout tête moins, on l'a couché, on l'a levé, et puis même côté, on a quand même viré tête en bas, on a un vertige extrême, et on a quand même a viré. Est-ce que son ministre, son signe de ministre, ça est? Non. Le cas de signe de ministre, c'est pas obligatoire. Parce que tout le monde dans la vie, il a gagné un vertige. Tout le monde connaît un vertige. Pour n'importe quelle raison. Une raison, par exemple, pour beaucoup manger. Une raison, par exemple, où tu es fatigué en pile. Pour ne pas répondre avec, et par exemple, où tu dormis trop tard. Ou dormir à 3h du matin, lever à 5h ou lever à 6h, ça capte mon cause. Un problème électrolytique ou ça rien encore. Par exemple, sodium ou capo, bas potassium ou capo, ou on va connaître n'importe quel bagage, sur mon carbone, il y a un vertige. Et dans plus de cause qui capte mon vertige, il n'est pas obligatoire. Il y a peut-être un cas où on peut dire 10 et 20 000 causes même qui capte mon vertige. Donc, c'est au pas qu'à dire son stroke comme on a fait, son ministre, etc. Il a probablement les ridicules ou parce que c'est un ministre. Ou qu'à joindre dans le cadre d'un stroke, mais au pas qu'à dire l'orwell, ou qu'à joindre dans le cadre d'un stroke, mais l'orwell, ça va veut dire son stroke. Donc, on va connaître qui ça, l'autre membre, expérience et une expérience qui s'en est à oser, et c'est quelqu'un qui s'en est pensé bizarre.
Oui, ça nous avait additionné en tant que signal yo par indépendant yo toujours tant que si c'est de vertige que vous gagnez, ok, regardez où est que c'est particulier, n'est pas associé avec un autre bagage. Parce que comme nous disons pour qu'on est dans le commencement, un pile un sign and symptoms broke et de présenter avec toute notre maladie. C'est tellement un bagage qui courant, même genre que de faire des choses. Mais là, quand vous regardez où est-ce que vous levez ce capable de faire, capable de faire une expérience, vous avez réussi à avoir campé, ça nous veut dire autostatique, hypotension. Donc, le regard est l'offre une telle sorte au bon cramp la main. Vous sentez que, vous comprenez, le défait qu'on est pour stroke, que vous gagnez, ça nous veut des projectiles, vomi, que l'on vomi, vomi, a sorti avec un force. Comparé avec l'autre qualité de vomi, parce qu'à cause de pressure qui dans le cerveau, il vient de faire vomir un projectile, vomir aller loin, leur vomi, il y a des questions en sport. Donc, toujours, symptômes, il n'y a pas juste une, il n'y a toujours pas indépendant de l'autre. Il y a toujours associé avec l'autre bagaille. Et ou même pour ne pas ignorer le premier, hein, et puis pour ne pas ignorer le deuxième. Donc, tout le monde a été quand même en passant ou pas doit conduire, même si son seconde que lié, on comprend des son interruption de blood flow, de capacité hypotension, capacité hypoglycémie, il ne faut pas connaître ça que lié, mais c'est ça fait comme docteur a dit, il faut que on parle, on ne pas qu'à faire expérience ça tout le temps et puis pour ignorer pendant que corps a fait une conversation avec vous. Et vous-même, vous ne pouvez pas répondre. Parce que quand nous parlons avec nous, on pile le temps. Mais nous ignorons, nous ne pouvons pas faire interaction avec le corps. Donc, là, on va aller, docteur, à fond, IKG pour vous-même. Si vous avez un TIA, et IKG a chaud, que ça dépend du temps que vous prenez pour aller, docteur. Vous comprenez, si vous avez expérience, c'est bagaille, il faut que vous tendez à faire que le corps a fait à vous-même. N'apprenne tout que il y a des fois accident et veine PTA di kon pas fait dans tête très souvent qu'on fait beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Bon, veine kon pété dans cou au lieu de pété dans tête. Bon, son bagage qui va et veine là pas pété de côté dans corps. Par exemple, et même genre chez vous êtes doux qu'gain ça relé anévrisme. En anglais, il y a un aneurysme. Donc, ou ka gen aneurysme intra-abdominal en avant tout, ou ka gen li intra-cérébral, c'est-à-dire en avant tout, ou ka gen n'importe qui côté. Donc, li ka pété, depuis un côté, quel que soit côté lien, li ka pété. Et ça, c'est un bagage qui gen en pétrice. Et les li saute dans le cœur à tout, vaisseau, on va dire les distinctions, les vaisseaux à carbone sauté pendant le saute dans le cœur. On va dire qu'il y a un peu de problème, il y a un peu de côté que. Ou quelqu'un qui a un vaisseau qui pète. Donc, le pète dans la tête là, va aller du stroke. Mais le pète de l'autre côté, c'est la stroke qui est. Donc, ça, on a une rupture, et une hémorragie, par exemple, une hémorragie digestive, une hémorragie intra-abdominale, n'importe quoi dans le corps. Nous avons confirmé ça dans mes professionnels médicaux. Et apprendre que si un stroke, premièrement, souhait que l'on senti que au gain un homme n'est pas méon, il pas du docteur Asodili. L'autre signe stroke, il dit que l'on peut faire stroke ou essayer pour être sous capable smile, sous capable rire, sous capable rire qu'on ne sait pas stroke. Et essayer pour être tout sous capable dans l'autre point ou bien encore et sous capable bailler ou du moins parler. Et pour que est-ce que moyo droite est-ce que confirmer signe ça yo qui capable indiquer que c'est stroke c'est pas stroke surtout smile le dire de pour capable smile de pour capable oui connaissez pas stroke parce que si vous faire stroke ou pas carré et garder parler pour si parole a sorti droite si parole sorti droite c'est pas stroke parce que si c'était stroke parole t'a commencé cocher. Est-ce que nous confirmer ça nous même dans branche médicale? Moi, personnellement, je ne vais pas confirmer ça.
m'a confirmé ça, j'ai fait m'a confirmé ça parce que quand j'ai des monde qui fait stroke, ils ont bon paralysé, mais ils étaient conscients, ils voilà, vont normalement. Les juste où ils étaient, où ils étaient. Parce que ça, pour nous comprendre dans ce stroke-là, cerveau, chaque partie dans le cerveau, il y a un côté dans le corps que dirige. Par exemple, partie devant, dans les lobes frontales, il plus dirige pied, partie à côté du cerveau, dirige main. Chaque partie dans le cerveau, il y a un côté qu'il dirige. Ça dépend de qui côté qui a fait. Quel côté dans le cerveau, c'est le langage. Quel côté dans le cerveau, c'est attention. Quel côté dans le cerveau, c'est intelligence. Quel côté dans le cerveau, c'est sensation. Quel côté dans le cerveau, c'est douleur qu'il faut ressentir. Au cas où on gosse tout, et puis tout va encore en forme, mais si on a un bagage chaud dans le col, il va sentir. Au moment où on a un exemple banal, ça dépend de qui côté dans le cerveau qui a fait. Quel mot comme on était tout à l'heure, gen moun ki fon stroke, se rete l diske te l pa pale, men tout bagay nan kol fonksyone. Gen moun ki fon stroke, l pa pale, men pa kompren sa la diyan. A yi gwa atem de la komprensyon, se pa gwa atem de langaj. Gen kote gen stroke ou fe, kote ke ou jist pa senti un bagay. Donk, ou ka fon stroke, kote ke se pi ou ki atem, men pa obligatoirman, atem souri ou. Bien ke le plus souvent, le plus souvent, l'homme fait stroke. Il atteint presque un bord. Le plus souvent, on dit, au cas de stroke, et puis il atteint le bord droit là seulement. Ou bien au bon stroke, il atteint le bord gauche là seulement. Parce que le cerveau, a, la cartographie du cerveau, a, c'est que la partie gauche cerveau dirige la partie droite corps. La partie droite cerveau dirige la partie gauche corps. Si la partie droite corps a un problème, on connaît cette partie gauche cerveau, c'est au plan Y. Si la partie gauche corps a bon problème, on va connaître cette partie droite, c'est voix qui atteint. Donc, n'importe côté qui atteint. Donc, maintenant, il y a un monde qui va sourire, probablement, ou qui a un muscle qui est responsable pour l'union et compréhension, etc., qui atteint. Mais ça va amener dire que, il est pour faire stop. Parce que ça demande qui compte stop là, d'accord. Belle réponse, ça m'a content. Et il me dit, bon Dieu, merci, m'apprenne en pile. Et surtout, pour procédure X là, partie gauche contrôlée partie droite contrôlée partie gauche, et nous apprenons en pile à square. Nous vivons un moment pour nous séparer parce que l'heure a approché et nous passé à chaque monde et qui est capable de faire un dernier mot avant que nous terminions. Nous avons commencé par ce Rosel qui était speaker à square. Et ce Rosel, avant que nous terminions, dernier mot. Oui, il faut que nous terminions. Il y a un truc qui est important, les communes fonctionnent, c'est la réhabilitation. Parce que ça dépend de qui change sur le plan affecté. Parce que comme Dr. Rufflet, tu consacres, il y a chaque première qui est différent. Il y a un monde, c'est langage. Il y a un monde, c'est witness pour paralysis. Il y a un monde, c'est motor skill. Surtout, chaque monde est affecté d'une façon différente. Ce n'est pas dire que le monde a besoin en plus de réhabilitation. Nous avons besoin que pour la famille, pour être en bon côté libre, pour aider les pour rester là, retourner bas dans la normalité. Donc, il y a des gens qui ont des chances, lorsqu'on fait chaud, qui sont capables, après des réhabilitations, après des physiothérapies, après des speech thérapies, toute thérapie, qui sont capables de réunir ensemble, aider les gens à retourner bas dans le niveau de fonctionnement. Mais malgré tout, nous avons toujours parfois toujours gagné des séquelles. Ce n'est pas tout le monde qui a des chances de retourner dans le normal, les gens qui ont gagné, en fond, qui ont été fait chute. Et comme ça, tout le monde qui a des chances pour retourner, ça dépend de qui va les damer, qui damage que ce plan est fait. Donc, réhabilitation à conscience, ce mal est extrêmement important. C'est lui qui a déterminé est-ce que le monde va retourner dans le niveau fonctionnement ou pas. Donc, et les liens avec les médecins, les qui ont pour une réhabilitation, les que qui ont une présence familiale qui supporte, tout ça joue un rôle pour les capacités, pour ça retourner bas dans le niveau de fonctionnement encore. C'est ça que je veux dire. Ok, Sokitlan, dernier mot. Sokitlan va là avec nous. Docteur Whistler, dernier mot. Oula, oui, c'est que dernier mot avant que nous allons. Nous connaissons après un stroke, après 3 ans, nous jouons 63,5 personnes et donc mourir à cause que
continuation follow-up pa fèt. So, yo di ou soute yon ki kapab surviv on stroke apre 3 semeni, apre 6 mwa, ou gade ke ou e ke ou bien ou supposé toujou a follow-up. Kose ke on moun ki fè stroke will ap toujou ge potansyel de kwa pou kapab e retounen fè stroke anko si pou pa chanje même j'ai ça sur vous elle t'a dit attitude ou yo so which mean like c'est un monde qui fait un stroke so, et dit bon Dieu merci qu'on sauve lui-même ou bien défrite yo reverser ou supposé yon que pour qu'il change en standard la vie ou genre que la vie ou t'es et ensuite comme nous dit ou corps a parlé avec vous corps a toujours parlé avec vous pas supposé une douleur encore pas supposé sentir ou pas sentir bien. Les bagages ça yo fait c'est que c'est quoi qui a parlé avec ou pas ignorer yo. On dit mettre docteur pour une raison. Aller kay docteur. Même là, on a la foi extraordinaire. Mais Seigneur, bon docteur, allez visiter un docteur. Bon Dieu béni. Merci bien et non capable de dire que nous allons passer docteur Whistler pour dernier mot. Mais avant que nous passions docteur, peut-être va tout répondre pendant quoi dit dernier mois. Non, songez que grand pasteur qui mouri. Yo apprendre que c'est stroke qui était fait. Gen moun ki fait stroke pendant yon andormi, le levé jeune yo capoté sous cabane. Mais dans cas ça, c'est yo dit pasteur te mange une pomme avant que le dormi. Est-ce que manger pomme parce que nous voulons retirer ignorance la caille nous. Est-ce que manger pomme avant qu'on dorme, est-ce que gagne des bagages pas même pomme seulement, est-ce que gagne des bagages qu'on mange avant qu'on dorme, capable d'un risque pour même espère non pas. Docteur Whistler, dernier mot. You are amazing. Bon, beaucoup Ou beaucoup ouais fruits à cause que on bagaille quelque chose pour manger. Mais docteur Whistler, ou cas beaucoup ouais ça. Mais non, est-ce que docteur Whistler, parce que j'ai un exemple qu'on a un monde qui mourit qui fait stroke. Est-ce que un monde qui n'a un moment sexuel capable fait stroke. Est-ce que sexe capable de faire un monde fait stroke. Qui gagne des produits taurine par exemple caféine si mon ne prend avant de dormir il monte dans son banane tout là et ca fausto mais cependant comme de nous stroke et majorité stroke que nous recevons à l'hôpital yo venir dans limite le matin 2 3 heures 4 heures du matin dans nuit là dans pile possibilité pour monde pesto et deuxièmement le problème sexuel là nous pas connait ça cependant avant hier et tout dans monde lisez article moi que gain j'étais montré une dame qui était fausse pour beaucoup de relations sexuelles pendant la atteinte orgasme les fausse pour bon c'est you comme connaît c'est après c'est bon comme connaît c'est un yon article que je lis donc nous pas capable ça comme vrai mais je dis que ça a été dans l'article que dame là pendant la atteinte orgasme pas comme pas qui mécanisme pas mais les fausse pour. Ok, est-ce que Jim, est-ce que pendant qu'on fait Jim, toi, c'est quand nous monde qui font accident cérébral et pendant que la pleuve, on poids qui trop lourd pour lui et puis nous fait éclater dans tête. Est-ce que mon allant dans Jim, est-ce que la levée poids trop lourd qui a éclaté vingt dans tête? Moi, normalement, il y a exercice aigu, exercice chronique. Il y a monde qui a habitué à faire exercice, pas quoi ça vraiment. Mais cependant, lorsqu'on fait exercice, tension monte. Par exemple, soit courir là, soit marcher là, contre des personnes, il y a quand même tension en haut. Et peut-être que ce n'est pas le même mécanisme qui cause que mon chat est arrivé à faire stroke là.
Ok, docteur, oui, c'est le dernier mot avant que nous terminions, s'il vous plaît. Parce que nous apprenons pile à ce qu'il y a. Nous apprenons pile, vraiment. Oui. Et merci en pile. Et ce qui est l'entête, on dit pas en bas, en bas. Il dit que c'est un cabo hat attack, mais pas un cabo stroke. Est-ce que le cabo hat attack, oui? Bon, et pour dire que bon professeur mon cardiologue qui peut vous dire non, il y a une relation sexuelle, qui a tellement travaillé au cours de relation sexuelle, c'est comme si vous courez 5 km. C'est équivalent à 5 km de course à des longues dans la relation. Donc, je pense que, par exemple, il y a un monde qui peut faire un problème cardiaque, pardon, il y a un problème cardiaque, pas après, non, mais pardon, il y a un problème cardiaque, si tu n'as pas fonctionné normal, que actuellement fonctionné, ça n'a pas de problème, si tu es déjà un problème cardiaque bêta. Donc, je pense que oui, et dans certains cas, ça arrive. Et puis, au dernier moment, et c'est surtout pour toi, Bagay, premièrement, moi, je voulais et aller dans le contexte haïtien, retourner. Parce que là, moi-même, je voulais principalement investir dans l'éducation. Parce que le monde qui m'a en Haïti, c'est seulement un problème d'éducation. Mon nom, il y a une maladie, docteur, et puis il ne va jamais à l'hôpital. Le fait que mon nom est brusquement paralysé, et tout, c'est mon nom qui a fait mal. Ou bien une bonne paralysé, mon nom est brusquement pas parlé, ou bien mon nom est la bouche virée dans la stéréole, on dit ça, qui c'est des fois aussi une stroke. On a deux son problème et son coup de pied, c'est parce qu'il n'y a pas de problème brusquement. Mes amis, le plus souvent, sont stroqués. Et là, recevoir mon temps, ou est calé. Des fois, le plus souvent, on a un bon gant, ou gant fait dépenser 10-20 000 dollars, et puis là, on a venu à l'hôpital là, il n'y a pas acheter des médicaments pour le bazar. Non seulement on n'a pas acheter des médicaments, et puis il vient trop tard, on n'a pas presque pas faire encore. Donc, c'est très important. Deuxièmement, tout à l'heure, c'est qu'on a eu des familles en Haïti, même nos malades, et parler aux tensions qui nous maman, nous frères, nous soeurs, dire qu'on ne médicament pas attention, Charlie. Si nous faisons ça, même pour moi-même qui me disais, parce que le plus souvent, nous sommes en plus négligents. C'est l'intention à mon père qui prend un médicament. Pourtant, depuis qu'il est tendu, il est tendu à vie. Chaque jour, il faut qu'on prenne un médicament. Donc, le contexte haïtien, c'est pas comme ça. Et c'est ça fait que nous avons un taux de stroke qui est très élevé. Et ce qui est dans des aux États-Unis, 63 ou bien 67, c'est 10% de monde qui mourit. En Haïti, c'est plus qu'environ 80% de monde. Donc, c'est encore plus grave. Et puis, je vais terminer pour me dire qu'il y a un bagage peut-être dans l'émission, en tout cas, qui est en train de dire que tout le monde a fait ça. Donc, il y a des gens qui ont des maladies, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des Merci. Merci beaucoup et nous disons bon Dieu merci pour tout ça que nous apprenons. Et en tant que pasteur, nous avons un conseil, moi-même, pour nous terminer comme dernier mot, pas moins. Nous rappelons que nous avons un jeune gens qui perdu la vie libre par ignorance, j'ai le docteur Wisley à parler. Je nomme malade. Des gon ulcère de stomac très grave parce que non pour la réveiller une c'est pour capable aider pour pas arriver l'autre et puis l'église là dit soit le cas docteur au bon Dieu fâché qu'on y a aucun b jeune homme là dans l'église là il a prié jusqu'à ce que jeune homme là mourit donc pas quitter nous à s'arriver ou à prier mais consulter médecin al cas docteur soit à voir au monde. Oui. Sous bon fièvre, pour votre malaria, pour le cas où le médecin de plus pour monter au pied, pour ce qui matine, et puis rapidement dans quelques jours, dans 3 ou 4 jours, traité. Vous n'avez pas besoin de prier bon Dieu pour ça, parce que vous avez une bonne solution déjà. Nous essayons de prier bon Dieu pour des maladies qui sont beaucoup plus précieuses que nous partageons. Par exemple, pour des maladies incurables, pour des maladies incurables, ok, d'accord, au cas où prier bon Dieu pour nous. Mais, ou bon tension, on va besoin de prier, bon Dieu, de bonne connaissance dans l'état. Donc, ou même, en tant que médecin, que bon Dieu mette pour ça,
pour traiter ou pour obliger à prier ou parce que vous êtes fier, parce que vous êtes grippe, vous quittez la compliquée. Et grand pile l'église, on pense que toujours son problème d'éducation, côté que pasteur, mon ami, ou qu'a toujours prié pour lui, mais encouragé dans l'hôpital. Ou elle n'a pas gravé, mais encouragé dans l'hôpital. Mon yo, le malade de ce moment de mon nom, et soit le diable, car il y a un gant. Ou gant, il fait compliqué, ou gant, encore une fois, compliqué, car mon malade, il y a un bain qui fait, qui aggrave, mon nom problème, il y a un bain qui fait toxique, encore qui aggrave le problème. Et surtout, nous à l'église, nous sommes malades à l'église, nous avons des malades à l'église, et nous avons encouragé l'église. Je ne pas dit que la foi, la croyance, nous n'avons pas qu'à guérir. Mais tout compte, ça fait ça. Fait. Et cependant, il y a des problèmes et dans l'église, et c'est très important parce que nous avons dit qu'on a parlé à nous. Quel est ce problème? Un prix, mon Dieu, pour des barrières qui sont sérieux, qui ont besoin. Mais ce n'est pas ce qu'on a besoin de santé, non? Mais souvent, on prie, pas quitter la gravité. Pour gagner une certaine manutention, pas quitter la gamme, pas dire qu'on va le faire. Bon, Dieu, il y a d'abord une solution, un bon retour sur la terre. Il y a des médecins qui marchent dans la même église ensemble avec eux. Donc, nous consultons, nous prenons des médicaments, ça, c'est un problème, même au cas résoudre. Alors, c'est très important. Et des fois, nous avons une compliqué, nous avons une malade, nous avons été dans la jeune, nous avons l'église, et puis il y a compliqué. Et malheureusement, nous avons mourir. Et là, nous avons une procédure dans l'hôpital là, et là, nous avons nous dit, pourquoi sont pas dans l'hôpital? Et mon ta l'a bloqué, oui, il parle de l'hôpital pour des raisons, parce que il était dit que bon Dieu a fait tout le bagaille, sans que les femmes ne disent pas la raison, même nous sommes que toutes les connaissances viennent de Dieu, si toutes les connaissances viennent de Dieu, eh bien, au café, bon Dieu, pour que la connaissance est battue notre monde pour les droits. Merci. Nous sommes capables de dire que dans Osée 4, verset 6, il dit mon peuple périt par faute de connaissance. Souffrance, c'est mieux. Ignorance cause un pile problème dans le monde. Et Jean-Docteur a dit là, soit le cas docteur, docteur dit, je ne peux pas faire rien. T'as écouté que l'hôpital m'était allé, t'es comme une qui t'a fait cancer. Le docteur dit, 5 jours, il a mouru. Donc là, il dit que mon bon Dieu m'a prié. Le docteur a dit, je vais retirer la joie de bon Dieu. Là. Et bon Dieu t'a fait que dame ça t'a guéri de cancer. Là. Il y a des bagages de docteur par an, il dit moi-même, je ne vais pas faire rien pour lui. Laisse ça, qu'on y a là, ça, l'homme ne va pas faire, bon Dieu lui-même a intervenu dans la situation. Jean-Docteur a dit, tout ça qui est bon côté, ou capable d'utiliser, ou qu'on grippe, prend médicament, prend tout bagage qui est nécessaire. Donc, lorsqu'on arrive dans le cas, docteur dit, pas qu'à faire rien, cas terminal, laisse ça, écoute, bon Dieu, selon volonté, ce qu'on y a là, il va. Faut grâce. Comprendre? Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Et c'est une raison qui fait que puissance santé là pour aider à enrichir connaissance. Nous, il y a un pile bagaille que m'apprenne à ce qu'il y a. Bon Dieu, bénis nous. Je vais connaître ça, Osée, vous avez voulu, tu m'en parles? Avant nous aller, nous allons aller à la piscine. One thing. Pour moi qui a un problème, pour garçon qui a un problème, érectile, dysfonction, qui prend Viagra, qui prend Cialis. Donc, il là, il a recommandé, si vous avez un problème de cœur, il va recommander pour prendre des médicaments sérieux pour que vous soyez capable d'avoir un handicap. Donc, si par exemple, vous avez une tension pas contrôlée, il va pas encourager pour prendre des médicaments sérieux. Donc, si vous avez une angina, ou bien rafferie, tout ça, c'est un problème de cœur, il va pas encourager, ou même si vous allez au sous-côté. En vaut qu'on décide de prendre des médicaments sérieux, que c'est du Viagra, ou bien si vous avez un médicament pour dysfonction érectile pour garçons qui ont des problèmes d'érection, avant qu'on a décidé de prendre des médicaments, quand on pense à qu'on y va, il y a un grand homme qui a aimé, qui dit, ah, je prends des médicaments, ça fait pas cher pour moi. Donc, avant qu'on décide de faire ça, parce qu'il y a toujours pour checker mes séances, pour checker mes séances, pour connaître est-ce que le cœur a été capable de répondre avec les médicaments, ça, avant qu'on décide, pas. Même dans la bagaille que nous gagnons dans la société, nous aimons prendre des médicaments amis, des médicaments familles, à tel médicament qui est fait, tel effet, nous-mêmes. Eh bien, les médicaments sont capables de bon pour nous, mais pas bon pour nous. Donc, il fait que nous ne sommes pas encouragés pour prendre des médicaments ou l'autre monde. Et si que nous avons un problème et sur dysfonction, avant que nous apprenions Cialis, avant que nous apprenions Viagra, checker le docteur, checker que nous, pour nous connaître, est-ce que nous sommes capables de répondre à des médicaments ça.
Parce que parfois, des gens qui comptent arriver comme médicament ça, et puis ils font un ras de table pendant que l'humain, action, sexuelle intercourse avec ou fille ou un garçon. C'est ça que je vais dire. Merci bien. Une question d'Apollo Sarozel, est-ce que va grâce au médicament? Oui, ou du moins au supplément. Est-ce que son non, supplément ou médicament? Et son médicament. Mais pour qui ça? Est-ce que docteur prescrit ça? Un médicament, c'est pas le docteur prescrit. Est-ce que le docteur prescrit va à gare? Oui, oui. Ah bon? Le prescrit est payé pour lui. Au médicament payé pour lui. Médicament payé parce que son bagage, déjà, il est ça, il a affecté le monde. Il a affecté le corps. Il produit stress, dépression. Il y a gars là, oui. Ah bon? La second good, oui, la second good de voilà, ben nous gagne Viagra, c'est que il a distribué dans toute la rue, monsieur utilise la pile. Et nous avons des gens qui viennent avec des problèmes. Il faut nous dire, Viagra gagne ça, les médicaments. Son médicament, Viagra c'est un nom commercial, médicament dans la rue, c'est le Sildenafil. Sildenafil sont médicaments qui sont très importants en médecine que vous utilisez. Mais pendant que vous avez utilisé Sildenafil, vous voyez que Sildenafil c'est effet secondaire qui est érection. C'est effet secondaire qui est érection. C'est là que vous avez utilisé pour ma maladie, et puis vous avez regardé, vous voyez que tout le monde a utilisé là, vous voyez que les gens qui ont érection, vous voyez que les gens dans la relation sexuelle. Et puis vous avez utilisé pour effet secondaire qu'on a. Avant, on était utilisé pour l'autre pathologie, mais l'effet secondaire, c'était érection. Et bien, on voit que tout le monde a utilisé une durée dans la relation sexuelle, mais il y a une bonne pour la relation sexuelle. Même j'avais un médicament, par exemple, un misoprostol. Son médicament était utilisé pour l'estomac. Maintenant, utilisé, on voit que tout le monde est femme enceinte qui est utilisée, l'enceinte, la jetée, tout le monde l'a pour avortement. Et bien, ils ont utilisé maintenant pour avortement. Donc, et un Viagra, médecin prescrit Viagra dans des cas spécifiques. Par exemple, il y a des gens qui sont diabétiques, qui sont jeunes, il y a des jeunes patients qui sont diabétiques, qui sont mariés, et puis que des gros problèmes d'érection, mais ça va apparaître. Donc, moi, en tant que médecin, bien-être couple, nous connaît que ça fait partie de bien-être couple aussi. C'est important pour un couple. Des fois, pour cas permettre tout si vous n'avez pas un problème de cœur, si vous faites un screening complet, regardez vous n'avez pas un autre problème, si le cas supporte les médicaments et vous prescrivez, il y a une dose pour prescrire là, il y a comment vous prescrivez là. Mais nous connaissons des gens en Haïti qui prennent un gars qui mélange dans un peu de notre bagaille. Exact. Bon, je prends un bagaille là, ou dit monde qui fait sucre, il y a un problème garçon. Oui, monde qui fait sucre. Ah à bon, oui. Bon, on va être comme ça. Oui. Oh oui. Oh, wow. Maintenant, monde ça a utilisé. C'est ça fait que, et par exemple, 3 ans de stand en Haïti, des bonnes nouvelles, non, 5 ans de stand, des bonnes nouvelles, des bonnes, on les perd, on diaspora dans en Haïti, qui ont l'autre forme de York, en Haïti, qui devient pas connaître. Et puis, il y a un autre, monsieur, bois de toi. Par contre, il y a 2-3 bien, gars, comme il dit, prend. Et puis, il faut faire attaque. Il faut arrêter à date, alors. Il faut arrêter à date pour la relation sexuelle à la fille. Il te prend trop. Donc, voilà. Donc. Ça que t'es pas. C'est important, bon. Ça que t'es passé, lui, docteur. Docteur a dit ça que t'es passé, lui. Oui, il prend Viagra, et dès que les pères, et puis il y a 6 mois, il a mené à la haïti pour une jeune femme. Et puis bon, il prépare lui, parce que son jeune femme, il prépare. Il mélange Viagra, il prend tout gros, bagaille, au bout de la haïti, puis il mélange le pot, il met ma guine dans tout. Et puis, pendant la prévélation, là, et puis malheureusement, la tête trop poulie, et puis ils font un cadavre, c'est mort. Mais parce que c'est incriminé, c'est un peu chute de vie.
Mais ma prenne en pile, et m'pas de connaît si va grâce érection, si c'est effet secondaire que lié. M'pense que c'est pour ça même yon te fait. Non. Ou apprenne moi en pile à ce que comme un doux, c'est de l'art. Parce que d'ailleurs, via là, il descend dans son monde. Oh, il donne une bonne potentiel alors. Oui, il est quand descend dans son monde. Il y a pile d'autres maladies qu'on a utilisées via là. Mais il y a des faits pour l'autre maladie. Mais il y a des faits pour l'autre maladie. Toutes les personnes qui ont utilisé, il y a des garçons qui ont une réaction qui est forte. Il dit, ah, si on utilise pour l'élection, là, bon. Et c'est là comme la chita, docteur. C'est là où fait comme dans Billa. C'est là dedans où fait comme. On est bon business. Il a acheté au Haïti. Oui, non, en fait, mon est aux États-Unis. Par contre, c'est soit mis sur le pas de ce qu'il dit, parce que le bon problème, il y a des soins. Et puis, les mêmes niveaux en Haïti, les gens dans la rue, tout pas mal, c'est gratuit. C'est un problème, l'acheter au Haïti. L'acheter un petit cookies. Oh, all right. So, mais, docteur, ça, c'est question, ça, c'est pour vous que lui. Pour même, personnellement. Bon, ici, lorsqu'on est malade, il sent que tu es fast-cook, il est 911, j'en sais qu'il t'en se dire. En Haïti, est-ce que vous avez un numéro pour aider les gens sentir malade? Est-ce que vous avez un numéro de secours en Haïti? Bon, nous voulons. Oui, quand tu as coupé, on a pu collecter. Est-ce que vous avez un numéro de secours en Haïti? Nous passons dans trois l'hôpital en mission, nous ne connaissons pas. Même ambulance, nous ne sommes pas capables de joindre même. Dès que nous sommes malades. So, pas 911 en Haïti. Non, pas gain en cas d'émergence pour aider. Non. You have so much of basic needs first, which is water, food. Yeah, the basic need, première nécessité. You don't have the basic needs yet, so no, nous perdu docteur là et nous perdu lui sans doute des cas téléphone ni déchargé donc un bel pour longtemps là. Almost midnight. Almost? Oh, wow. OK. Priez pour nous, Sakitan, pour nous terminer, s'il vous plaît. OK. Merci, Seigneur. Papa, réellement, merci pour ton frère que nous soutenons ensemble à vous, papa, plus de deux heures de temps. Cher Seigneur Dieu, parler de science, n'a parlé de corps, là, papa, je veux nous fasciner. Éternel Dieu, Papa chéri, moi avec grandeur, avec majesté, oui, cher Seigneur, pour que contrôle le corps, ça totalement, Papa chéri, moi. Réellement, le docteur, il dit, ça finit, éternel, ou même, il dit, c'est commencé. Papa chéri, à toi, ça, ou comment que nous glorifions, cher Seigneur, à chaque fois, on a parlé, éternel Dieu de santé, à chaque fois, on a parlé, nous, Papa chéri, moi, nous sommes grandeurs, nous sommes magnificents, nous retirons le chapeau de nous, cher Seigneur Dieu. Réellement, c'est plus grand mathématicien, c'est plus grand scientifique, papa chéri, moi, c'est numéro un docteur qui gagne au éternel. Papa chéri, moi, à toi, ça, nous bénissons pour chaque monde qui est sur Facebook, WhatsApp, YouTube, Live, Messenger. Au décrété, vous attendez l'éternel de l'émission, ça, papa, nous espérons, oui. Cher Seigneur Dieu, nous plantons, nous arrosons, papa, que parole, nous tendons, nous va continuer à comprendre, éternel Dieu, prévention importante, papa chéri, moi, il y a à parler, éternel Dieu, pour pas qu'il y ait ignoration qui fait, papa chéri, moi, mais pour oui, éternel Dieu, reconnaître, papa, oui, agréer, nous la foi, nous-mêmes, éternel Dieu. Capable, éternel, nous connaissons les médicaments à prendre, pas eux-mêmes qui ont fait, éternel, mais c'est eux-mêmes qui ont fait, papa,
c'est pas quitter, ça veut dire pour nous ignorer le Seigneur Dieu trois fois, c'est moyen, car la science, connaissance, Père Saint, vient de vous-même, papa chéri, moyen. Nous prions, oh Dieu, pour nous perdre, papa chéri, moyen, qui réellement dévoué, ça veut dire pour émission ça, à ce rosel, papa chéri, moyen, qui est campé comme guest speaker. Et moi-même, Père Saint, ou papa chéri, moi, c'est ma opportunité, Père Saint, pasteur Calage, éternel, chez du roi, radio puissance, papa. Commandez au Saint Seigneur Dieu que la Dieu soit capable toujours camper, papa. Et que des hommes, des femmes, éternel Dieu, on va envoyer pour les supporter, papa chéri, moyen, spirituellement, papa, financièrement, car éternel Dieu, la Dieu soit un travail extraordinaire. Papa, nous prions, c'est que nous pas séparer au Dieu, papa, la chair à séparer, mais en esprit, Père Saint, on va toujours être connecté, papa, permettre de matin, éternel Dieu, pour nous capables de lever en bien, papa, pour nous brancher sous prémisse matinale, avec nos constataires, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous adresser et qu'elle prière ça, qui vive et qui règne, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous t'avons perdu, Dr. Whistler. Nous joignons la prépondre question pour nous capables de terminer. Est-ce que un numéro de secours en Haïti, nous sommes capables de brûler? Même Jean nous-mêmes, nous avons 911 bois ici. Oui, oui. Numéro c'est 116. Ok, mais il travaille. Si vous voulez, il y a besoin de vous répondre. Oui, si vous voulez, il y a besoin de vous répondre. Ok, nous sommes bien contents. Tout le monde qui attendait. Numéro de secours en Haïti, c'est 116. Moi, je ne sais pas de connaître. Je vais mettre le téléphone moi, pour me capable de next time pour me connaître. Nous sommes dans le rêve. Nous sommes dans le numéro ça. Nous n'avons pas besoin de connexion. En ça veut dire qu'il existe son numéro non existant, ou il est le pas travail. Non, oui, il travaille. Mais le numéro 116, la docteur, c'est pour la santé seulement, mais pas pour son vol entre quelqu'un et pas pour la police. C'est pour la santé. Pour la santé seulement. Oui, effectivement. Mais quel numéro pour la police sur son travail? Oh oui, je ne pas changer de là. Mais il y a un numéro. Chaque institution a un numéro. Eh bien, d'accord. C'est des bagages pour nous chercher qu'on est. Et nous apprenons 116 là. Et nous apprenons bonne note de lui. Et Dr. Whistler dit qu'il travaille très bien. So, oui. Merci en pile. Et toute fois avec ce qui était là avec nous. Et c'était vraiment m'apprendre en pile personnellement. Et nous remercier tant nous qui est réellement précieux. Nous passer avec peuple bon Dieu. Nous dit bon Dieu merci. Par un prix pour ça vraiment. Bon Dieu bénis nous. Passons très bonne nuit en Jésus. Merci Dr. Wister. Merci Sœur Ozel. Merci Sœur Gitlan. Bon Dieu bénis nous. Have a good night, beloved. Bonne nuit, bien-aimé. Bonne nuit, mes amis. Et surtout, bonne nuit, mon ami. Bon Dieu bénis nous. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.